Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes mardi. Je vais me faire mon café. Il est 9h01. Précisément. Je vais me faire mon café. Donc Alexis a pris le bus à 7h37. Elle commence à 8h. Et Camille, elle commence à 8h25. Donc j'étais la déposer vers 8h15. Arrivée devant le lycée, elle avait encore... je sais pas, elle a attrapé un coup de chaud, elle avait envie de vomir encore et tout. Donc elle a attendu un petit peu et elle est descendue quand même. J'espère que ça va mieux. Je fais mon café. Donc voilà. Et là j'ai du ménage. Beaucoup de ménage à faire. C'est beaucoup de vaisselle. C'est horrible. Beaucoup, beaucoup de vaisselle. Il faut que je fasse du linge, faut que je range. J'ai beaucoup de choses à faire. Faut que je vide aussi que j'enlève des vidéos de mon téléphone. J'espère que vous m'entendez bien avec le café. Faut aussi que j'enlève des vidéos de mon téléphone pour mettre sur le PC parce que sinon je pourrais pas faire. J'arrive pas à enregistrer le vlog d'hier. J'ai plus assez de place dans mon téléphone. Allez, donc je vais mettre toutes les vidéos de foot sur le PC. Parce que là, en plus que je refilme, je vais avoir encore moins de place. Donc voilà. Donc sinon, attendez, je prends une cuillère. Hop. J'ai beaucoup de vaisselle à faire. Je viens de regarder en déjeunant du coup. Vous êtes carrément tordu. En déjeunant, je viens de regarder la vidéo de bébé pulpeuse. Et là du coup, j'ai fait mon café et je vais faire mon ménage. Je vais pas arriver à vous placer, ça m'énerve. Du coup, je vous prends dans la main. Écoutez. Hop. Voilà. Du coup, je vais vous montrer vite fait. Après, je vais attaquer ma vaisselle, mais là, je vais vous montrer vite fait les dons que j'avais récupérés à Camille. Donc, il y a encore deux sacs. Je vais vous montrer les deux sacs. Il y a deux sacs encore comme ça, là. Les deux sacs, là, du coup, c'est à redonner. Regardez les merdeuses. Hop. Il y a deux chipettes ici. Voilà. Il y a les deux chipettes ici, mon amour. Bon, toi aussi. Voilà. Là, il y en manque une, je sais pas, elle est où. Là, il y en a une ici. Ça va, ma grosse. Ça va, ma grosse. Bon, oui. Ça va, Kimi. Stella est installée dans le fauteuil. Et Kenma, je sais pas, elle est où. Elle doit dormir par là. Je sais pas du tout. Je ne sais pas, elle est où. Ah bah oui, allez. Voilà. Elle fait du tout sur la chaise. Voilà pour les chipettes. Du coup, je vais vous montrer donc ce qu'on a récupéré en plus des vêtements. Bon, encore, je ne sais pas encore ce qu'on garde exactement. Mais ce qu'il y avait dans les sacs que Camille a donné. Donc, il y avait une petite râpe, je vous ai dit. Il y avait une petite... montre comme ça pour les enfants. C'est avec les billes hein, qu'il faut placer. Là, il y a un GPS. Bon, ça, je sais pas si je vais m'en servir. Un wok. Un nook, comme Camille dit. Ensuite, il y a le maillot. Je vous ai dit qu'Alexis a gardé. Et le passe à la machine. Ensuite il y a ça, donc ça apparemment elle m'a dit que c'était pour les chats quand ils ont chaud, donc je sais pas trop. Et ensuite il y avait les haltères. Donc hier Camille elle a lancé le défi à Mathieu et à mon frère de tenir le plus longtemps possible comme ça. Comme ça ou comme ça. Ils sont restés longtemps. Hein. Mon frère il a lâché un petit peu avant quand même.
Mais ils sont restés un moment quand même. Même elle, elle fait du sport avec. Enfin, voilà. Bon, je vais attaquer ma vaisselle. Je vais me regarder une petite vidéo le temps de faire ma vaisselle. Ensuite, je vais aller faire mon linge. Je vais aller retirer les vidéos de mon téléphone pour pouvoir faire le montage. Sinon, je pourrais pas filmer en plus, donc ça va pas aller. Et faut que je range tout. Hein. Alexis finit à 11h, donc je le récupère à 11h. Je reviens à la maison. Et ensuite, Camille, du coup, comme je vous ai dit, je vais la récupérer à 11h25 et la redéposer pour 11h52. Donc elle n'a pas beaucoup de temps, mais au moins elle rentre quand même pour aller aux toilettes, tout ça. Donc c'est parti, on y va. Coucou, il est 10h55 et du coup je pars chercher Alexis. Du coup quand je vous ai pris tout à l'heure, j'oublie qu'il faut parler assez fort dans la voiture. Quand je vous ai pris tout à l'heure, du coup bah, j'ai fini ma vaisselle, j'ai sorti les poubelles, j'ai dépendu mon linge, j'ai remis une machine en route. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai débarrassé, j'ai trié les deux sacs. Camille Cameco nous a donné hier, comme ça j'ai pris les photos et tout pour mettre sur mon groupe de dons. Et j'ai débarrassé le plus gros. Voilà, là du coup je m'en vais chercher Alexis, je le ramène à la maison et ensuite je fais comme je vous ai dit. Donc je vais rechercher Camille pour 11h25. Je reviens, elle mange, elle va aux toilettes, elle boit machin et je repars la ramener directement. Donc un petit peu la course là pendant midi. Voilà. Donc j'ai quand même bien débarrassé ce matin, mais j'ai pas eu le temps de d'aspirer, de laver. On verra si j'ai le temps cet après-midi. On verra ça. Parce qu'il faut aussi que je bosse bien avec Mail, que je prépare les programmes, tout ça. On va déjà faire deux pages d'exercice et après il faut que je prépare vraiment les programmes du jour. Mais j'aimerais laver ma maison quand même aujourd'hui. On verra si j'ai le temps. En ce midi, j'avais noté sandwich. Je vous avais montré que bah, Camille elle a les siens de sandwich. Et Alexis, je lui avais acheté des sandwichs tout faits aussi, mais il les a déjà mangés. Donc, mais comme j'avais acheté le pain viennois en promo là que je vous avais montré, il se régale aussi avec le pain là. Donc bon, après lui il a le temps quand même. Là il finit à 11h, il reprend à 1h30. Donc lui il a 2h30 pour manger. Donc même s'il veut que je fasse autre chose, je ferai autre chose. Il a le temps de manger. Camille elle n'a pas le temps du tout. Elle va vraiment avoir le temps de manger son sandwich et puis de repartir directement. Je lui ai demandé si ça allait là à la récré. Elle m'a dit que ça allait. Le matin à 8h, je ne sais pas pourquoi, elle a des nausées à 8h du matin. À 9h, ça va mieux, mais à 8h du matin, je lui ai dit c'est peut-être parce que tu te lèves pas assez tôt. Et du coup, en fait, elle se lève, elle s'habille, elle prend son sac et on va direct dans la voiture. Et le matin, la voiture, déjà, elle ne supporte pas trop la voiture. Donc. Je pense que le matin à 8h, la voiture directement comme ça lui va pas trop. À 9h ça passe, hein, mais à 8h, à 8h ça passe pas du tout. Elle aime pas l'horaire là. Et demain elle commence aussi à 8h. Et jeudi elle commence à 9h et vendredi elle commence à 8h. Donc,
En fait, elle peut être malade 3 fois par semaine, quoi, à 8h du matin. Voilà. Alexis, lui, je sais plus à quelle heure il commence. Je crois qu'il commence à 8h toute la semaine, en fait. Il n'y a que le lundi qui commence à 9h. Mais sinon, je crois que c'est 8h toute la semaine. Bref, il est 10h59. Je vais bientôt arriver au collège, donc je vais vous laisser. Et du coup, je vous reprendrai soit dans l'après-midi, soit ce soir. À toutes. Alex, t'en sors ta sœur. Moi j'allais pas la louper. C'est pas un nook. C'est un wok. Re coucou. Il est 22h. J'essaye de vous faire tenir. Je donne à manger à Princesse et après je vais m'installer parce que je suis fatiguée. Arrête! T'énerve pas comme ça! C'est quoi du coup? Je sais plus, je vous ai pris à quel moment. Je vous ai filmé un peu ce matin pendant mon ménage. Je vous ai filmé pour... Moi, j'allais récupérer Alexis à l'école. Du coup, on est rentré à 11h. Je suis repartie 10-15 minutes après pour aller chercher Camille. Ça va, son prof lui a laissé un peu plus de temps. Il avait laissé jusqu'à 12h15. Elle avait 50 minutes, donc c'était un peu mieux quand même. Elle a pu manger, voilà, faire tout ce qu'elle avait à faire quand même. Donc moi j'avais pas fini de manger, donc j'ai été la ramener. Je suis revenue, j'ai fini de manger. Ensuite on a été déposé Alexis à 13h30. Et ensuite, j'ai rien fait de spécial après-midi. On a joué aux cartes avec mon frère et Mathieu. Un temps calme, on va dire. Ensuite, Christophe est rentré. Je suis partie avec mon frère pour aller récupérer Alexis. Je vous avais dit qu'il finissait à 15h30. Il avait que sport. Et au final, je suis arrivée là-bas. J'ai pété un câble. Alors, aujourd'hui, on va dire que je pète encore des câbles. Voilà. Un peu pour rien. Je m'énerve. Mais il y a de quoi m'énerver, en fait. Depuis midi, j'ai un de mes voisins. Enfin, qui a... Ils ont plusieurs voitures, tout ça. Et ça se garde devant chez moi. Donc, je suis obligée de me garer en face. Ah voilà, je peux pas me garer devant chez moi tranquille, donc c'est chiant. Et la voiture, elle est toujours là. Hein. Donc, si demain, elle est toujours là, bah, j'irai taper. Hein. Voilà. Ça m'énerve parce que voilà, on a chacun nos places. Après, s'il y a plus de voitures, bah, en principe, comme Christophe, il se met en face, en fait. Mais je m'amuse pas à me garer devant les gens, devant chez les gens où ils ont des voitures. Surtout que dans la rue, il y a plein de personnes qui n'ont pas de voiture. Mais non, on se garde devant chez moi. Bref.
Et arrive au collège du coup à 15h30, comme j'étais en train de vous dire. On attend, on attend, on attend. Puis on voit une femme au téléphone. Et elle demande à. Bah, c'était ma voisine qui était garée juste devant moi, hein, devant, au collège. Puis elle lui demande si elle vient récupérer une sixième. Du coup, ma voisine, elle lui dit oui. Elle dit ah, bah, apparemment, ils sont en train de téléphoner à tous les parents pour dire que tout compte fait, ils sont obligés de rester 1 heure de plus à devoir fait. Ils n'ont pas le choix en fait, donc ils doivent rester jusqu'à 16h30. Donc ma voisine vient me le dire à la voiture. Je dis c'est une blague. Du coup, bah, mon frère il était resté dans la voiture. J'ai dit bah moi je vais péter un câble, j'en ai marre en fait, ça commence à m'énerver. Du coup, je suis rentrée aux portes du collège et il y avait un surveillant. Du coup, je lui ai dit, écoutez, je sais pas ce qui se passe avec votre collège, mais ça fait à peine 3 semaines que ça a repris. Et c'est déjà le bordel en fait. Il me dit bah justement, on allait appeler tous les parents. Je dis ouais, mais bon. Ils sont censés finir à 15h30. Donc à 15h30, on est déjà devant le collège. Et là, à 15h40, on n'a toujours pas eu d'appel et on nous dit que ben ils vont seulement nous appeler pour nous dire qu'ils sont obligés de faire 1 heure de plus. Donc c'est pas normal en fait. Je dis, vous rendez-vous compte que hier, je vous ai téléphoné à 13h30. Ouais, 13h30. Je dis pour savoir si mon fils finissait bien à 17h30, on m'a confirmé. Je dis au final, à 16h40, c'est ma voisine qui m'a appelé pour me dire que mon fils et tout, il était dehors. Parce qu'ils avaient fini les cours 1 heure avant. Alors je dis alors que j'avais appelé. Je dis là aujourd'hui, ils sont censés finir à 15h30. Et je dis puis là on nous dit maintenant qu'ils sont obligés de rester jusqu'à 16h30. Je dis nous on attend, on se déplace pour rien. C'est pas normal. Il dit bah ils ont oublié. Et apparemment ils ont oublié de les noter dans le carnet. Enfin sur l'emploi du temps. Je dis bah ouais mais bon. S'ils nous font ça tout le temps, je dis nous. Il dit bah normalement ils doivent vous prévenir 1 semaine à l'avance. Ah mais je dis là c'est le jour même et 10 minutes après, on nous a toujours pas appelé, on n'est pas au courant en fait. Donc je dis, enfin je sais pas, mais je dis le collège, il faudrait qu'il fasse quelque chose, parce que je dis là, ça devient du n'importe quoi, et ça fait à peine 3 semaines que l'école elle a commencé. Donc je dis, bon, il faut pas abuser non plus, quoi. Je dis, j'en ai pas après vous, hein, mais je dis le collège, là, ça commence vraiment à me gonfler, en fait. Donc il dit, bah je suis désolée, madame, je dis, non, mais j'en ai pas après vous. Mais je dis, c'est chiant, en fait. Je dis, hier, mon fils était dehors, je dis, la dernière fois, c'est arrivé aussi la semaine d'avant. Je dis, là, on arrive, on est obligé de repartir et de revenir 1 heure après. Je dis ça va être ça tout le temps. Je dis même hier j'ai dû rappeler à 14h45. Je dis parce qu'ils avaient noté mon fils absent. Ils m'ont dit oh bah c'est peut-être une erreur de notre part. Alors que mon fils il était à l'école. Bah, c'est vraiment du n'importe quoi là. Je sais pas ce qui se passe dans le collège. Je sais pas qui s'occupe des emplois du temps ou des je sais ou même du secrétariat ou j'en sais rien. Mais n'importe quoi. Enfin bref. Donc j'étais bien énervée. Là je suis rentrée. Bah, j'avais toujours pas ma place. Donc ça m'a saoulée. Bref. Donc du coup je suis repartie à la maison. J'y suis retournée, je suis repartie à 16h05 pour aller récupérer Camille à 16h15. Et de là on est parti au collège pour aller attendre Alexis du coup à 16h30. On est rentré à la maison. Donc Alexis il a goûté tout ça. Je lui ai fait faire ses devoirs tout de suite. Ensuite j'ai fait les cours avec Mel. Christophe il a préparé les paupiettes au cookéo. J'avais épluché les pommes de terre pour faire les frites. Le temps que ça cuit au cookéo, bon, ça va vite, ça se gardait au chaud en fait. Et on a été faire un petit tennis en face de la maison. Alexis avait envie de faire un tennis et tout. Et comme il avait fait ses devoirs et tout, j'ai dit, bah allez, on y va un petit peu. On est resté quand même 3 quarts d'heure, je crois. Ensuite, on est rentré, du coup, j'ai fait cuire les frites et tout, et j'ai servi les assiettes à tout le monde. Moi, je me suis mangé juste du pain au chocolat, j'avais pas envie de tout ça. Je me prends pas la tête. Et là, ben voilà. J'ai donné à manger à Princesse. Je vous termine le vlog. Je vais aller m'installer. Soit faire le montage, soit regarder. J'ai vu que Véro a mis une vidéo. Camille, elle commence à être malade. Elle a le nez qui coule. Elle a mal à la gorge. Super. Là, Alexis, il s'est déjà endormi. Il dort déjà. Mel, tout à l'heure, elle avait mal au ventre. Bon, après, ça a passé. Mais Camille, elle a la crève. Super. Elle a le nez qui coule, sa voix elle est toute. Elle part en cacahuète. Donc voilà, les microbes vont commencer à tous débarquer. Ça commence à être chiant. Bref. Voilà pour la journée. Donc ça a été plutôt calme. Je veux dire, j'ai pas fait forcément grand-chose, mais énervée. Puis voilà. Ouais, voilà. Qui c'est qui fout le bordel?
je sais pas ce qu'ils font. Bon, bref, du coup, je vais vous laisser pour ce vlog. Je sais pas s'il dure longtemps ou pas longtemps. Moi, je vais aller m'installer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Salut!